Taramasso, c'est le responsable Michelin au MotoGP. C'est toujours un honneur de le recevoir chez nous. Et puis, bah, on est amis depuis des années. Hein, donc, voilà. Ouais. Sofiane et des gens de chez Michelin qui viennent pour avoir un petit retour par rapport aux pneumatiques. Et en fait, on a vu que par rapport aux suspensions qu'on utilise aujourd'hui, les suspensions Boss, en fait, on a carrément une énorme différence d'usure pneumatique. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Les suspensions ont tellement apporté un avantage, si tu veux, que voilà, ça joue aussi sur le pneumatique et du coup, ils se dégradent vraiment pas nos pneus, en fait. D'accord. Donc, dans la durée, c'est beaucoup mieux, en fait. Au chrono, ben, j'ai fait 9e temps, ce qui était, c'était plus ou moins pas mal. Donc, après, on peut toujours faire mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait très bien que moi, j'ai un problème, c'est le physique, et qu'ici, on y remède et on y travaille pour que ça aille de mieux en mieux. Première manche. Première manche, je fais un très bon départ. Je pars bien, je me faufile vraiment bien dans le premier virage. Et en fait, arrivé au deuxième virage, on tape un petit peu dans mon pneu arrière. Du coup, je suis un peu désarçonné et je lâche mon embrayage, je tape dans le pneu devant moi, ma moto cale. Du coup, je m'écarte, enfin, j'essaye de la rallumer au plus vite. Ça m'écarte un petit peu. Il y a quelques pilotes qui me dépassent, quoi. Donc, je ne sais plus aux alentours de quelle position j'étais là. Dans ce tour-là, directement, j'ai réussi à repasser deux pilotes dans la terre. Et puis après, ben, j'ai essayé de maintenir pour essayer de rattraper. Et j'ai flanché physiquement. Donc pour moi, c'était une manche qui n'était pas à mes espérances. Je respirais pas assez je me tétanisais parce que je respirais pas. Donc tout dans la terre, je me crispais. Puis arrivé sur l'asphalte, j'arrivais pas à me déhancher parce que tout ça vient juste parce que je fais des apnées et je respire pas. Donc c'est ça qui a fait que. Plus le manque de physique. Donc voilà. De toute façon, c'est pas un secret. Il faut travailler et voilà. C'est comme ça qu'on arrivera devant. Après, ensuite, en deuxième manche, je partais justement en première ligne à la quatrième position, vu que c'était une grille inversée. Je réalise un départ plus ou moins correct, où j'arrive à me faufiler, je pense que c'était la troisième position, quelque chose comme ça. Ouais, je confirme. Puis, je donne, j'essaie de rester le plus longtemps possible devant. Et après, une fois qu'on me dépassait, bah, j'essayais de directement raccrocher les mecs. C'est des mecs qui roulaient quand même. Donc j'essayais, plus j'essayais. Donc le premier qui me passait, j'essayais de le suivre le plus longtemps possible. Puis le deuxième qui m'a passé, j'essayais de le suivre le plus longtemps possible. Tout en respirant, toute la manche, j'ai réussi à vraiment bien respirer. J'ai moins tétanisé les bras et tout ça. Donc je pense que j'ai beaucoup moins baissé de rythme, en tout cas sur toute la manche. Je me suis battu, j'ai donné tout ce que j'avais. Donc pour ma deuxième manche, aucun regret. Donc voilà, c'est sûr que pour les prochaines manches, je vais bosser physiquement et je serai, je pense, un petit peu plus présent. Ouais, deuxième course en supermote, week-end catastrophe, hein, tout simplement. Depuis l'OEAC, je n'ai pas roulé, donc je ne m'attendais pas à qu'il se passe un coup de baguette magique. Quoi. Donc voilà, un peu pareil, mais sauf que là, j'ai eu un peu moins de circonstances de course, on va dire. Première manche, je suis pas mal parti, mais je me suis fait un peu gêné aux deux premiers virages. Ça a striké au bout, j'ai réussi à me faufiler. Je devais être peut-être 7-8 par là.
Voilà, après, encore une fois, heureusement qu'il y a la terre. Par contre, sur l'asphalte, bah, catastrophe. Hein, zéro sensation. Un peu que c'est du loyac, quoi. Je suis scotché, j'ai pas de sensation, j'ai pas de confiance. Après, c'est un peu logique, j'ai rien changé depuis loyac, j'ai pas refait une moto, j'ai rien fait. Donc, encore une fois, je m'attendais pas à ce que ça soit beaucoup mieux, mais voilà, c'est deuxième manche gris inversé. Ouais, deuxième manche gris inversé. Alors, pareil, je pars encore bien. Et au moment de passer la 2, je l'enclenche pas très bien, elle saute. Donc, elle saute, donc je me fais doubler. On rentre dans la terre, ça va pas très vite, je veux doubler. L'humidité qui ressort, je pensais que j'avais la marge, j'ai touché le frein avant, je suis parti, je me suis écrasé dans les mecs, je suis tombé. Donc voilà, je repars dernier et puis voilà, faux rythme, mauvais rythme tout court sur le goudron. Encore une fois, donc, à la terre, j'arrive à doubler 2-3 mecs dans la terre, mais bon, c'est pas fameux, quoi. Week-end à oublier. Complètement, week-end à oublier, bah, va falloir se poser les bonnes questions, parce que là, bah, ça peut pas continuer comme ça, c'est catastrophique, y a pas d'autre mot. Manicourt, 3e épreuve du championnat de France, une piste que je connais pas, et donc ça s'est bien passé. Écoute, je fais 4e temps chrono. Donc c'était vraiment bien, j'ai eu un bon feeling tout au long de la journée. Et les chronos le soir aussi, c'était vraiment particulier, quoi. Ouais, la nuit, les repères sont vraiment pas pareils, on va dire, donc faut s'adapter. Et puis c'est bien, les chronos, on a pu s'adapter pour les manches. Donc première manche dans l'après-midi, donc ça n'a rien changé. Donc je pars 4e, je me fais un peu enfermer, ça bouchonne un peu. Et puis je tiens un peu ma 4e place, il y a eu des chutes. Et puis je fais 5e, donc ça allait, c'était quand même pas mal. Et deuxième manche, gris inversé, je pars 9e. Là par contre, ça bouchonne grave, quoi. Et je me retrouve au final 14e après le premier virage, donc là c'était pas possible, donc il a fallu que je cravache pour remonter. Belle remontada du coup. Ouais, j'ai fait une belle remontée jusqu'à la 8e place. Bon, il manquait quelques temps pour revenir. Je revenais vraiment sur le groupe de devant et j'aurais pu accrocher, je pense, les meilleurs résultats. Bon, ça fait 6e de la journée, je repars 4e du championnat. Donc je gagne une place au championnat, je suis content. La moto, j'ai eu des problèmes de suspension encore début du jeudi même, des essais. Donc là, j'ai commencé à adapter mon pilotage. Et je voulais pas, j'ai arrêté de modifier les choses sur la moto. Et puis je me suis concentré sur mon pilotage, à piloter les deux pieds sur les repose-pieds. Chose que j'avais pas l'habitude de faire, donc je l'ai fait. Et puis ça a fonctionné du coup. Et là, quand j'ai roulé de nuit, la deuxième épreuve, quand il faut vraiment cravacher, bah, c'est vrai que ça aide à rester plus smooth. Et donc je pense que je vais continuer comme ça, ouais, donc ça devrait aller. Premier week-end à Manicourt pour moi, ouais, de nuit. Ouais, découverte de la piste, tout simplement du roulage de nuit. Comment ? Franchement, de bonnes sensations. De bonnes sensations, ça a été un petit peu compliqué tout le week-end. Mais bon, j'ai su trouver mes marques en dernière manche et essayer de marquer des points. Chrono, tu fais combien chrono ? Chrono P9, je crois, ou P8 dans ces eaux-là, mais voilà, pas une très. Ouais, première manche, pareil, je suis assez bien parti aux alentours de la 6e place, mais rapidement je me suis fait doubler et puis ça n'a pas trop été. L'objectif aujourd'hui, c'était surtout de marquer des points et de garder la place au championnat. Puis en deuxième manche, ouais, un petit peu plus libéré, j'ai réussi à trouver plus des marques dans la nuit et à accrocher des roues. Au final, faire quatrième et quatrième au général de la soirée. Donc, ouais. Un bon résultat. Ouais, un bon résultat, ça commence à venir. T'es content ? Ouais, un petit peu et à moitié pas trop content parce que j'ai mis du temps à me mettre dedans. Il a fallu la seconde manche pour que vraiment je trouve des marques, que je mette en application ce que Ludo m'a demandé de faire. Donc, ouais. Après, ouais, des bonnes sensations sur la moto. Rambo a fait un travail de fou sur la moto tout le long du week-end pour que j'ai pas de dribble et une super moto à piloter. Et ouais, après, tout le team aussi qui a mis du sien pour qu'il y ait une bonne entente.
Et voilà, un bon week-end en perspective. Je tiens à remercier quand même Ludo, tout le team Luquin, tous ceux qui aident vraiment parce qu'on passe des bons moments, qui manquent de rien. Ouais. Et vraiment, on a passé un super week-end. Donc vraiment, merci beaucoup à eux. Et puis, hâte d'être à Saint-Amand. À Saint-Amand. Allez, ciao, ciao.